C'est quoi ton place? Night Twitch Gaming. I am the champion. Comment tu sais? Hey, coucou YouTube, bienvenue pour un nouvel épisode de Spider-Man 2. Je suis heureux de vous retrouver pour cette fois l'aventure. Donc, avant toute chose, on attache nos ceintures, il va y avoir du sport, ça va démarrer très fort. On continue la mission principale, go commode, on y va avec Miles Morales. J'espère que vous allez bien, que ces fêtes se passent bien. Voilà, c'est le plus important, j'ai envie de dire. Voilà, vous, la famille, c'est le plus important. Ah ouais, il faut traverser, ok. Ah non, il n'est pas passé de l'autre côté du pont, super. Ah ouais, il est allé les prendre en parent, quoi, les amis. Oh, il devient fou. Il vient de me lancer une plaque d'égout. C'est certain que c'est toi qui le visais. Quasi sûr. Il s'est arrêté devant le tunnel de Queensboro. Il y a des chasseurs partout. D'accord, je suis en route. Assure-toi que les chasseurs ne le délogent pas encore. Entendu. Je vais vers une autre position. Le tunnel. Spider-Man, stop. Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi! Je croyais qu'il était juste un peu bizarre. Mais là, ça devient n'importe quoi! Je le reconnais plus! Allez. Envoie du lourd, là, envoie du lourd. L'araignée! Spider-Man! Dis-moi! Spider-Man, tu te souviens? Allez, essaie de te reprendre! Comment tu veux que je boucle mon essai sans mon tuteur préféré? Eh oui! J'y suis presque, Miles. Comment va le tuteur? Il est furax! Et il écoute rien de ce que je lui dis! Alors on va peut-être devoir s'y prendre autrement. Tu es ouvert à toutes les suggestions! Allez, ça dégage! Je change ton droit! Cible accrochée! Ouais, toi aussi. Allez. Wow. Putain, il y a du sport, les amis, ça commence fort. MJ, je suis pas convaincu de ce soir. Tout de suite, Miles. C'est pas vrai. Vas-y, MJ, vas-y. Waouh. Sacré MJ. Hein. MJ, c'est un bonhomme, hein, je vous jure. MJ, est-ce que ça va? Ouais, ça va, tranquille. Mais je vois pas Pete. Peter. Attends. Alors, on rejoue la belle MJ. Pour le bonheur de ceux qui aiment bien. Oh. Je veux juste discuter. Je veux pas te faire de mal. Ben non. Non, pas... Non, faut pas déconner. Celui qui dit dans ton cul, hein, il sort. Hein. On passe par où là? À part là. Oh non. Ah, il est en mode exciting, le Peter Parker. Waouh. De l'électricité dans l'eau.
Ah non, même pas. Bon. Pete. Peter. Oh. Elle est con, il m'a fait peur. Non, elle est pas partie. Juste un alien sur lui. Wow. Allez, en combat. Donne-moi des news, MJ. Comment ça va de ton côté? J'ai trouvé Peter, mais... il est endormi. C'est une bonne nouvelle? Je vais essayer de le réveiller. Je pourrais retenir les chasseurs encore un peu. Je vais essayer. Remets-toi l'entraînement. Allez, joue, tu dégages. Là, le but c'est la de se faire. Alors, qu'est-ce qu'une merde volante là? C'est juste pour vous prévenir que vous aurez du public quand je vous mettrai une raclée. Attention! Tiens, toi, je vais t'apprendre. Me tirer dessus, c'est trop d'enfoiré. Allez, joue. Ah, trop fort avec le chat. MJ, MJ, je peux pas répondre, là, je suis en train de travailler. Je t'entends pas, je suis en train de me battre, là, je fais mon boulot. MJ. Ah, ok, il faut que je rentre là-dedans. Dès que j'en aurai fini avec eux. Allez, allez. Et lui, il est où? Il est en train de fuir, quoi. Non, mais sérieux, là. Oh, putain. Oh, je l'avais pas vu. Ouais, c'était beau, c'était propre ça les amis. Spider-Man! C'était beau, c'était propre les potos. La grue ne répond plus! Oh merde.
putain. Wow. Oh ben tombe, c'est pas grave. On a droit à un mort par mois. Non, c'est un piège. C'est un piège, quoi. Non, l'enfoiré. C'était un piège, les amis, quoi. C'est un piège, même. Oh. Ouvrez le passage. Pete, réveille-toi. Ah ouais, Pete, arrête de faire doudou. Peter. Ça risque de piquer un peu. Ah ouais, mais... Ah oui. Ça se joue. Excellent. Petite décharge, hein, ça fait pas de mal. MG. Oui. Hein? Je voulais pas te faire de mal. Ah, il devient fou. Ah ben non. What the fuck, quoi? Non, non. Waouh. Vas-y, prends la porte et t'en mettrai. C'est con, t'as été entoilé. Pour une araignée, franchement, ça le fait bien. On a fouillé tout le tunnel. Il a disparu. Pour l'instant. Mais il ne va pas tarder à revenir. Non. Sérieux, le chat, quoi. Excellent. Wow. Surtout, n'hésitez pas à commenter, liker, hein, et partager aussi les vidéos. C'est important de partager les vidéos. C'est ce qui permet ben, qu'il y ait beaucoup plus de vues. Je sais qu'à l'heure du moment où je vous dis ça, il n'y en a que très peu qui vont le faire, peut-être même zéro. Sauf mon ami Karim. Voilà. Karim, je sais que lui, il partage, il parle. Voilà. C'est au top, mec. Je me suis retrouvé à dormir sur un banc, moi. Ouais, c'est clair. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir dormi comme un loir? Allez, on repart à 900 mètres. Harry m'a laissé un autre message. Pete, je dois vraiment récupérer ce costume. Mon père travaille sur un nouveau remède, mais... Je sais pas. Ramène-le-moi, s'il te plaît. Ben j'essaie, j'arrive. Alerte web du Bugle. Petite figure. Nouvel article d'MJ. Oh, je me suis vautré. Avant de me le faire dire. Mais c'était voulu, les amis, hein, je vous rassure. Je vais faire un petit effet de style. En tant que société, nous devons engager une réflexion collective sur le concept de héros.
Comme je l'avais prédit, un monstre dont on pensait être débarrassé a refait surface. Spider-Man a encore échoué à nous protéger. Sérieux? Quel enfoiré. MJ, mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est vrai que... tes attaques sont inhabituelles. Tout de toi est inhabituel, Peter. T'as un alien en toi. T'as un Witty. Hé, mon pote. Tu te sens bien? Vous avez vu, vous pouvez m'appeler le roi Knight maintenant. Hein? Pete. C'est pas ma couronne. Ok, je le sais. Est-ce que t'as des souvenirs de la nuit dernière? Je me souviens juste que j'étais crevé. Pete. T'es pas normal. Tu n'es pas toi-même. Ah. Ce costume te transforme. C'est uniquement grâce à lui que je suis encore en vie. Ouais, il est plutôt cool, hein? Ouais. Prends quelques cachets et crache ce que t'as sur le cœur. Hé hey, arrête! Je me mets en quatre pour essayer de te sauver. Tu pourrais me remercier. Je t'ai dit d'arrêter. J'ai vu ton histoire. J'ai essayé de t'en parler. T'as changé d'avis, c'est ça? Je peux pas perdre ce boulot, Pete. Ton boulot, c'est d'écrire la vérité. T'as raison. La vérité, c'est que c'est moi le héros, pas toi. La vérité sort de la bouche des enfants, ok? Qu'y a-t-il? Tu n'y arrives pas. Comment ça s'est passé avec Harry? Vous en faites pas. Harry va se remettre. Fallait s'en douter. Merci. Merci d'être là pour lui. Mais de rien, de rien. Ça fera son bal. Je vous ai vu grandir ensemble. Eh oui. Tu es comme un fils pour moi. De l'homme que tu es devenu. Harry, il a les nerfs quand même, vu comment elle lui a parlé. Il faut que j'y aille. Ok. Les nerfs. Tu m'étonnes. Pète pas la vitre, ça coûte cher après. Laisse-moi. Va-t'en. T'as rien fait. C'est toi qui as pété le carreau, bêtement. Harry. Va-t'en, je t'ai dit. Tout le froid, il va rentrer maintenant. Bravo. Ils sont quand même fragiles, hein, les vitres. Hein, comme d'habitude, je peux compter que sur moi-même. Allez, ok. Donc c'est moi le héros.
Impeccable. Peter, où est Miles? Il n'est pas rentré hier soir et il répond pas à mes appels. Il est dans ton cul. Je suis à mon bureau. Dites-lui de passer me voir, tout de suite. Pourquoi personne peut se débrouiller tout seul? Je dois toujours tout faire. Oh, le mec, il te la pète, quoi. Franchement. T'es bien un humain, toi. Dès qu'il a un petit talent supplémentaire, ou dans le boulot, une petite promotion, là, ça y est, les gens se la pètent, quoi. Oh, personne peut se passer de moi, c'est terrible, putain. On vit dans un monde, les amis. Non, je suis sûr qu'il va bien. Mais tu m'appelleras si tu le vois. C'est gentil de toi. Miles? Non, c'est plus tard. Je vous ai appelé. Ça fait des heures. Et rien. Vous savez que Miles est à la poursuite de lui. Je vais le trouver. J'appelle les hôpitaux. J'ai dit que je le trouverai! Je contrôle la situation. Tout ce qui intéresse Miles, c'est d'être un meilleur Spider-Man. Il ne parle ni de ses cours, ni de ses camarades. Il ne parle que de vous. Vous devez l'aider. Eh oui. Écoute, Rio de Janeiro. Ah ouais. Là, c'est vrai qu'il a été fait prisonnier, quoi. Comment j'ai atterri là? Comment? Waouh! Du laser. Ok. La sécurité rigole pas ici. Ah, c'est clair. Les deux. J'ai plus qu'à bloquer les autres. Ça a pas marché. Mais peut-être qu'avec les autres. Voilà. Ça me fait un petit passage. Ah bon ? Ah ouais. Super. Oh ouais. Ils étaient tous prisonniers. Putain. Sacré prison, bordel. Et tu sors comment de là? Hein? Je peux franchir ça. Et comment tu peux le franchir? Voilà, comme ça. C'est qui ce type qui m'a assommé? Et puis TMJ, qu'est-ce qu'ils deviennent? Gentil. Waouh! Sérieux, quoi. Un truc pour faire du bruit là. Ça s'est fait, t'as compris ou je t'explique? Ok. Oh yeah. Lui pour enfoncer les portes, hein. Qu'est-ce que... Je fais pas de demi-mesure, hein. Waouh. Pourquoi Kraven m'emprisonnerait là-dedans? Passer au bon moment. Là. Comme qui? J'ai besoin de toi, mon vieux. Trop simple. Oh
ce truc. Du poison. Je dois dégager de là. Ces générateurs doivent alimenter les ventilos. Il faut que j'active ces générateurs. Quel générateur? Où? Ah là, putain. C'est mieux, mais pas suffisant. Il faut que j'active les autres. Mais quels autres? Ah là. Ben non, il est fait, lui. Le plafond, ça doit être au-dessus. Eh merde. Non. Merde. J'ai pas compris là. Comme qui? C'est quoi ce truc? Voilà, mais non. C'était au moins. Du poison. On s'y dirait ce qu'il faut faire. Je dois dégager de là. Ces générateurs doivent alimenter les ventilos. C'est mieux, mais pas suffisant. Mais alors, cette porte, je crois bien que c'est la seule issue. Ouais. Vous savez où se trouve la sortie? Oh. Pourquoi? Tu pourras jamais partir d'ici. C'est ce que je commence à penser. Allez, allez, petit combat tranquille, comparé à ce qu'on a déjà fait dans le jeu, là. Que les mobs, voilà, ça va quand même tout seul. Hein. Ça sert à quoi, tous ces pièges? Allez, bouclier, toi tu meurs, tu le sais pas encore. Mais... J'espère que je vais pas mourir. Waouh. Allez, je viens de faire ça. Sur ce coup-là, pas vrai? Excellent. À chaque fois. Maintenant, montre-nous de quoi tu es capable. On va changer la donne. Tu peux le faire. Tu vas souffrir. Wow, t'es rapide! Faut que je garde mes distances! Ah,
récupère. Où il est l'autre? Ah, ça va? L'araignée est blessée! Achevez-la! Bah, t'étais tout seul, mec. Je les ai tous eus. Allez, donc. Il doit bien y avoir une sortie. Oh, mais j'ai carrément, oui. Qui m'attendaient tous. Cet endroit est allez, gigantesque. Joue. Et si les chasseurs savaient qui je suis vraiment? Et s'ils m'avaient retiré mon masque? Et si... Ah oui, et si... Et si ma tante en avait, ça serait mon homme. Ok. Est-ce que et tu si... me reçois? S'il te plaît. Et si... Et si... Ils s'en étaient pris à lui. Et s'ils avaient eu ma main? Ah, donc en fait, il faut grimper, à mon avis. C'est ça. Et si Craven réclame plus de drones rapaces à l'étage. Et si tu disais moins de et si. D'habitude, il joue pas aussi longtemps avec la nourriture. Waouh, il y a du piège là. Je t'explique. Tu te casses la gueule, t'es mal. Ah, encore des chasseurs. Craven a l'air de penser que c'est la proie ultime. Je me demande si c'est vrai. Il y a de l'électricité dans l'air. Il y a de la rumba ouais. Dans l'air. Après tous ceux qui ont échoué. C'est comme si rien ni personne ne pouvait le tuer. Par ouais, ici. On est sur sa trace. L'étoile. L'araignée est là. L'araignée, l'araignée. Je t'entends. Ça doit être lui. Là-haut, c'est Spider-Man. Tu appartiens à Kraven. Oh merde. Jamais tu ne pourras t'échapper. Vous voulez faire du surfing, ça n'a pas trop marché, les amis. Il utilise cette toile. Le laisse pas s'en sortir comme ça. Wow. Waouh, ça y est, ils m'ont tué, putain. Eh ben, ils m'ont tué, putain. Craven a l'air de penser que c'est la proie ultime. Mais alors, mon amour, je me demande si c'est vrai. Il y a de l'électricité dans l'air. Ouais. Après tous ceux qui ont échoué. J'ai entendu. C'est comme si rien ni personne ne pouvait le tuer. Ouais, on verra bien. Voilà. Vraiment désolé pour toi. Il y a du bruit dans le coin. Oh, je te tiens. Voilà, ça se passe bien comme ça. Et l'autre. Allez, joue. C'est pour ton bien. Voilà, je voulais refaire la déco, c'est tout. Je pourrais défoncer la porte. Ça ferait du bruit. Il y a peut-être un autre moyen. Ils ont exclu mon pit. Est-ce qu'ils l'ont eu? Un enregistreur? Allez. Allez, ça dégage.
Oh, encore ce con là. Ouais, je suis super énervé là. Franchement, je te dis que ça. Il y a encore le gros là. Waouh! L'araignée t'a tué, tu vois, ça rime rien en plus. Pauvre con. Non mais. Ça ressemble à une sortie. Je dois découvrir pourquoi Kraven m'a amené ici. Il faut que je me sorte de là et que j'appelle Spider-Man. Ouah, la porte s'en met quoi. Ça c'est de la serrure. Ah mais d'accord. La lumière naturelle n'a jamais été aussi belle. Voilà, super. Merci pour les 8 trous. D'accord. Qui avait 200 ans. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas signé pour ça, monsieur. Ok. Merci. Je ne fais que passer, messieurs. Ne vous excitez pas. Messieurs, j'en fous. Oh, j'arrive dans une arène. Non, mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Non, non, pas ça. Ah, je suis dans une arène. Ah, ouais, j'en étais sûr. Regarde-moi ces hystériques. Oh, oh. On foutrait du wawa. Ça ne marchera pas. J'ai essayé. Non. Je t'attendais plus tôt. Et l'énergie de la jeunesse, alors, hein? Battez-vous. Ouais. On réussit ensemble. Alors combien de personnes est-ce que t'as tué avant que j'arrive? J'avais pas vraiment le choix. On a toujours le choix. Ouais. Je te fais pas tuer surtout. J'en ai assez de perdre mon temps à combattre des minables. Prouve que tu es digne de ma vie. Je comprends que tu aies envie de me tuer, mais je ne peux pas te laisser faire. Et pourquoi est-ce que je vous laisserai vivre? Je ne mourrai pas comme l'homme que j'ai été. Vous avez des comptes à rendre après ce que vous avez fait. Les démons intérieurs, le souffle du diable, l'attentat d'Hôtel de Ville. Ne me remémore pas des déchets. Oh merde. J'ai fait. Vous imaginez même pas. Il est rapide. Désolé, il fallait que ça. Oh non, putain, je me suis fait toucher. On est assez de perdre mon temps à combattre des minables. Prouve que tu es digne de ma vie. Je comprends que tu aies envie de me tuer, mais je ne peux pas te laisser faire.
Et pourquoi est-ce que je vous laisserai vivre? Je ne mourrai pas comme l'homme que j'ai été. Tu es beaucoup plus fort que tu en as l'air. Vous avez des comptes à rendre après ce que vous avez fait. Les démons intérieurs, le souffle du diable, l'attentat de l'hôtel de ville. Ne me remémore pas des péchés. Je sais, mais... Vous imaginez même pas. Mais ne subsistez jamais un adversaire. Oui. Sacrifié comme ça! Ne laisse pas ta proie s'approcher, Kraven vous a pris au piège! Où vous êtes là de votre plein gré? Épargne-moi ta condescendance! On est dans la même arène! Décidément, même la prison vous a pas changé! Tu te trompes! Bouge! Bien, je... Il éveille quelque chose en toi, la reine. Réciproquement. Montre-moi plus. Allez. Oh, juste merde. Une petite ouverture. Non, 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 vous allez la voir. Non, c'est bon, les deux. Tu peux pas me vaincre. Spider-Man, ne tue pas. Attends un peu de me connaître. Ah ouais. Wow. Non, mais t'es sérieux, sois mec. Plus rapide. Le pouvoir de lui, il bloque le mien. Aucun remords après ce que vous avez fait. Quoi que je puisse faire dans le passé, ça n'avait rien de personnel. Eh ben pour moi, ça l'était. Qu'est-ce que tu veux? Des excuses? Je vais vous voir souffrir comme vous m'avez fait souffrir. Non, non, j'avais le... Putain... J'avais le tir gadget augmenté, quoi, si j'aime. Je me sens... bizarre. Il a perturbé ma bioélectricité. Où est ta hache? Vous avez toujours aucun remords après ce que vous avez fait? Quoi que j'ai pu faire dans le passé, ça n'avait rien de personnel. Eh ben pour moi, ça l'était! Qu'est-ce que tu veux? Des excuses! Je vais vous voir souffrir comme vous m'avez fait souffrir! Oh rapide. Merde! Faut que je trouve une ouverture! Oui! Non. Désolé. Waouh, waouh, youpi, 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 les amis. Attention. Les bots sont complexes, quoi, les trucs. Le pouvoir de l'île. Non, lui, il bloque le mien. Vous avez toujours aucun remords après ce que vous avez fait. Quoi que j'ai pu te faire dans le passé, ça n'avait rien de personnel. Eh ben pour moi, ça l'était. Qu'est-ce que tu veux? Des excuses? Je vais vous voir souffrir comme vous m'avez fait souffrir. Ne laisse pas ta proie s'approcher, arrête. Oh putain. Oui. Reste au sol. Oh non.
Oh, je pouvais me soigner, je suis deck. Désolé, putain. Ma fille, bébé. Attention. Oh non, la bioélectricité ne marche pas. Vous avez toujours aucun remords après ce que vous avez fait. Quoi que j'ai pu faire dans le passé, ça n'avait rien de personnel. Eh ben pour moi, ça l'était. Qu'est-ce que tu veux? Des excuses? Je vais vous voir souffrir comme vous m'avez fait souffrir. Faut que je sois plus rapide. Non! Il est rapide. Faut que je trouve une ouverture. Oui. What the fuck, quoi? Oui, mon bébé, tu peux pas là. Tu peux pas, mon amour, j'essaie de vite finir. Oh non! Passer ce poste de, la boîte de malheur. Vous avez toujours aucun remords après ce que vous avez fait? Quoi que j'ai pu faire dans le passé? Ça n'avait rien de personnel. Eh ben pour moi, ça l'était! Qu'est-ce que tu veux? Des excuses! Je vais vous voir souffrir comme vous m'avez fait souffrir! Ça suffit comme ça! Il est rapide! Faut que je trouve une ouverture! Ne laisse pas ta proie s'approcher, araignée! Oui! Bah, 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 bah. Ah mais ça remet la vie à bloc en fait. Que ça arrive. Putain les poteaux, merde. Je me sens bizarre. Il a perturbé ma bioélectricité. Vous avez toujours aucun remords après ce que vous avez fait. Quoi que j'ai pu faire dans le passé, ça n'avait rien de personnel. Eh ben pour moi, ça l'était. Qu'est-ce que tu veux? Des excuses? Je vais vous voir souffrir comme vous m'avez fait souffrir.
Il est trop rapide, quoi. Putain. Il fallait que ça arrive. What the fuck, les potos? What the fuck, les amis? Oh non! La bioélectricité marche pas. Vous avez toujours aucun remords après ce que vous avez fait? Quoi que j'ai pu faire dans le passé? Et ça n'avait rien de personnel. Eh ben pour moi, ça l'était! Qu'est-ce que tu voles? Des excuses! Je vais vous voir souffrir comme vous m'avez fait souffrir! Non! L'énergie négative va me retourner la tête. Méfie-toi de ces attaques, Larry. Il risque de te dépouiller. Il est rapide. Faut que je trouve une ouverture. Allez, juste une petite ouverture. Si je tentais ma bioélectricité. Je ne veux pas avoir à te tuer. Waouh, vous avez bien changé finalement. Bouge. Allez, allez, finis-le. Oh merde. Encore. Ce sera la dernière fois que vous ferez du mal à quelqu'un. Quelle platitude. Derrière l'autre araignée, il y a un homme, moi. Ça suffit. Vous savez rien de moi. Ouais. Bioélectricité, pareil. Voilà. Waouh, les poteaux, ça a été chaud patate, mais je crois qu'on l'a eu. Ouh. Non, pas encore. On va faire ça à ma façon. Waouh, c'est pas fini, ma mie. Wow. Bisous, bisous. Ça, c'est toi. Putain, on est mal barré là, les amis. Faut pas que je me déconcentre. Je suis pas vraiment ici. Rien de tout ça n'est réel. Quoi de plus réel que la peur? Vous essayez de me faire quoi? Je fouille ton âme du regard. Je vois un garçon. Terrifié d'être seul. Gaspillez votre salive! Vous m'échapperez pas! Vous... pouvez pas... me faire de mal! Tout le monde a un point de couture. Même Spider-Man. Il suffit tout simplement de le trouver. Et sache que j'ai tout le temps nécessaire. Waouh. Laissez ma tête tranquille.
laisser ta tête. Mais il y a tellement de choses à voir là-dedans. Tellement de douleurs. Tellement. Non, je vous écoute pas. Non, merde, merde, merde. Putain, le démon affilé, je pensais qu'il... Ça, c'est toi. Faut pas que je me déconcentre. Je suis pas vraiment ici. Rien de tout ça n'est réel. Quoi de plus réel que la peur? J'ai pas peur de toi. Vous essayez de me faire quoi? Je fouille ton âme du regard. Je vois un garçon terrifié d'être seul et à l'idée de trahir sa famille. Après, juste en le tuer entre les immeubles. Vous gaspillez votre salive. Vous m'échapperez pas. Même quand il est fait tomber, c'est pas grave. Les amis, laissez putain. Mais il y a tellement de choses à voir là-dedans. Allez, démon, putain, viens. Tellement. On va le rattraper quand même, non? Tellement. Non, je vous écoute pas. Tu es fort. Que penses-tu être aussi fort? Arrêtez, Ellie! Oh, c'est bon, je vais réussir à le rattraper. Il est où? Miles. Hit? T'es à la ramasse. Wow, tour. Je veux dire, j'ai essayé. J'ai essayé de t'apprendre. De faire de toi un héros. Je savais très bien que tu serais l'éternel second. Tu sais rien faire à part décevoir les gens. Les mettre en danger. C'est indigne de Spider-Man. Spider-Man aide les gens. Et toi, tu te fais du mal. Non, c'est pas vrai. Je suis pour rien, moi. En vrai, c'est même pas moi que tu déçois le plus. Waouh. C'est ton père. Putain, c'est combat sur combat cet épisode, hein, les amis. Tu t'appelles Miles. Qui es-tu vraiment, Miles? Ramenez-vous, Lee. Creusons encore. Venez vous battre! Une bonne fois pour toutes! Venez vous battre! Waouh! Wow, c'est les combats sans fin! T'es taré ou quoi, Miles? Je ne suis pas naïf, Lee! Ouais, bah moi non plus! Je suis toujours là pour toi! Je me coupe en quatre pour toi! J'écoute toujours pas! Ouais, ça m'étonne pas que tu dises ça! Parce qu'il n'y a rien qui compte à part toi, hein? Tu penses qu'à toi. Tu me mets en danger. Tu mets Ellie en danger. Et tout ça pourquoi? On a quoi en échange, nous? Je sais, je... Des accessoires. C'est tout ce qu'on est. Mais on terminera comme Finn. Ganky. Ganky. Je sais que j'ai dit que c'était pas ta faute, mais... En fait, j'avais de la peine pour toi, c'est tout. Je voulais pas que tu te sentes responsable. Surtout après la mort de... Non! Ton père. Surtout après la mort de ton... La ferme! La mort de ton père, ça prendra fin dès que tu sauras, Miles. Tu finiras par me laisser entrer. Waouh. Mais en attendant, débats-toi. What the fuck, quoi? C'est sacré cet épisode, les amis. Putain. Micro. Micro, où es-tu? Non! Wow. Je suis là, maman. Ça ne peut plus durer, Miles. Tu es toujours absent. Toujours en danger. Je sais. Tu vas finir par te faire tuer. Non, je te jure. À quoi bon?
Tu ne peux pas gagner, Miles. J'aurais jamais dû te laisser essayer. Le seul résultat, c'est que je me retrouve encore plus seule. Je cours encore plus de dangers. Non! Je vais te protéger! Compte sur moi! J'ai déjà entendu ça. Je te promets. Je parle pas de toi. Le jour où il est mort... Maman! Mon père m'a dit... Le matin même... Que tout ce qu'il faisait... Non! Non, non, non! Miles! Je t'en prie! Je t'aime! Ça suffit, Ellie! Miles! J'ai dit ça suffit! Ouah, les poteaux! C'est plus que suffisant. J'ai encore? Putain, il va me faire redescendre de combien de mètres comme ça? Ça suffit, arrête. Ouah, il combien? Alors, comment ça va, fiston? Oh, son père, putain. Ça me fait du bien de te revoir. Ça a changé depuis mon départ. Il est devenu un vrai héros. Mais j'ai pas pu te sauver. Ni Finn. Si Spider-Man ne peut pas protéger tout le monde, alors qu'il pourra? Arrête. Tu es beaucoup plus que Spider-Man. Tu peux essayer de te cacher derrière ce masque, mais je sais qui tu es. Et ce que tu défends. Je garde un œil sur toi. C'est vrai? Et ça me désole. Où est passé l'enfant que j'ai élevé? Tu es un lâche. La honte de notre famille. Waouh. Non, tu le penses pas. Bravo, le père qui dit ça. On le pense tous. Tu es un raté, Miles. T'es un raté, Miles. Tu le seras toujours. Bravo, le père, quoi. Non. Vous diriez jamais ça. Aucun de vous. Je suis pas. Il est temps de laisser tomber. Abandonne, Miles. Non. Abandonne! Non, jamais! Abandonne! 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 Pourquoi il faudra abandonner? J'abandonne pas! Non! C'est terminé, Lee! J'ai plus envie de jouer à votre jeu! Vous voulez savoir qui je suis? Je suis le gosse dont vous avez tué le père à l'hôtel de ville! Quoi? Il est mort parce que vous aviez décidé que vos problèmes étaient plus importants que la vie de tous ces gens! Qui personne Davis était un héros! Qui protégeait la ville de gens comme vous! Oh putain, encore lui! T'es pas tué, toi, tu me reprends, toi, putain! Miles. Non! Je t'ai assez écouté. La disparition de mon père. C'était pas ça le problème. C'était moi la responsable. Mais c'est terminé. Terminé. Waouh. Fais-le. S'il te plaît. Oh ben je vais le faire. Vas-y, une fois dehors, trouvez Spider-Man. Ne les laissez pas s'échapper. Encore. Bon, eh bien les amis, merci à tous pour avoir visionné cet épisode. On se dit bye bye, à très bientôt. J'espère que ça vous a plu, deux trophées en plus en échange. Allez, ciao, merci, bye et passez de bonnes fêtes.